Bonjour, Olivier Legrand, donc je suis le directeur général de Revima. Revima est une entreprise spécialisée dans l'entretien de trains d'atterrissage, la réparation et la révision générale de trains d'atterrissage. 400 personnes environ sur le site, 350 à temps plein, une cinquantaine d'intérimaires et environ 25 alternants en plus chaque année. Et donc c'est sur des métiers très divers, hein, en production avec du traitement de surface, donc des opérations de machines-outils, de la peinture, de l'inspection fine de pièces, puis pour l'autre moitié des métiers de support, de soutien à la production, avec un besoin important de compétences en anglais, en particulier pour les fonctions en contact avec nos clients. Nos clients sont des compagnies aériennes pour l'essentiel, sur des produits qui vont de l'A320 jusqu'au 777 qui est donc un avion gros porteur. Il s'agit d'attirer des compagnies aériennes du monde entier à Côte-Bec-en-Caux, ce qui en soi n'est pas forcément évident. Nous recherchons surtout des collaborateurs qui adhèrent à nos quatre valeurs d'entreprise que sont l'engagement, le travail en équipe, la simplicité et la bonne humeur. Donc, bonjour, moi je m'appelle Thomas Pichon. Donc, je suis ingénieur aéronautique au sein de Revima depuis 2010. Donc, j'ai fait une formation d'ingénieur dans une école ENSI, l'ENSEM en fait, à Nancy, après avoir fait une classe préparatoire MPSI en maths. Et donc depuis maintenant 2 ans, j'ai évolué pour avoir une fonction un peu plus de management. Donc je dirige une équipe de techniciens ingénieurs. Donc notre métier en tant qu'ingénieur aéronautique au sein de Revima consiste essentiellement à piloter des projets pour améliorer les processus internes. Donc aujourd'hui, nous travaillons notamment sur un projet de remplacement pour du dégraissage. Donc ici, on se situe dans l'atelier traitement de surface. Donc c'est un peu le cœur de Revima, où se passe en fait un tas de procédés de réparation. En fait, les pièces que l'on révise nécessitent de refaire certains revêtements, notamment du cadmiage qui va permettre de protéger de la corrosion, également du chromage. Donc vous pouvez voir ici une cuve de chrome. Donc les pièces sont trempées en fait dans ces bains sur lesquels on vient déposer électrolytiquement une couche de chrome pour pouvoir faciliter toutes les parties, enfin tout le coulissement au niveau des trains d'atterrissage. Ce que j'aime vraiment dans le métier d'ingénieur aujourd'hui à Revima, c'est toute la partie projet, toute la partie pilotage de projet. On est vraiment amené à travailler avec l'ensemble de l'entreprise, donc tous les différents services, pour pouvoir mettre en place de nouveaux systèmes, de nouveaux types de procédés, de nouveaux types de réparations. Et donc ces projets-là, qui peuvent être parfois très vastes et étalés sur plusieurs années, sont vraiment captivants, motivants et ont derrière une finalité qui se voit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans ce métier. Je me suis Monsieur Lecras Olivier, je suis à Revima depuis 25 ans. J'ai une formation de mécanicien auto à la base et je suis rentré à Revima parce que la mécanique me plaisait, la grosse mécanique aussi, l'aéronautique. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai fait plusieurs postes dans Revima. J'ai commencé comme mécanicien et aujourd'hui je suis inspecteur et expert métier. Donc je suis inspecteur, donc mon métier c'est de prendre des décisions de réparation sur différentes pièces, différents matériels, en fonction des commandes clients et des spécificités aussi clients. Donc là vous avez 2 bancs hydrauliques où on fait des pièces de grande capacité, donc un vérin de relevage d'A320 MLG, donc il est testé complètement. Là on fait des accessoires de plus petites dimensions. Ensuite, les accessoires, une fois testés, ils retournent dans l'atelier et nous les finissons, les rendons servissables pour qu'ensuite ils soient réavionnés. Donc c'est un vérin de relevage à 320. Ce qui est bien, c'est que quand on les voit arriver, quand on les voit partir, il y a une certaine satisfaction quand même de voir le travail que nous avons tous réalisé dans l'atelier et au sein de l'entreprise. Donc le travail dans l'aéronautique, quand même, c'est un domaine qui est assez valorisant, c'est un métier qui est très passionnant et qui est varié aussi.